Je suis né le 25 mars 1952 à Etterbeek. Etterbeek, c'est une commune de la ville de Bruxelles, l'agglomération de Bruxelles. Et je suis né dans une famille de fonctionnaires. Mon père était employé à la régie des voies aériennes à l'aéroport de Bruxelles et il s'occupait de télécommunications aériennes. Ma mère travaillait dans le social au ministère des Affaires sociales. Mes parents n'étaient pas des Bruxellois d'origine. Ils étaient montés à Bruxelles pour y travailler, mais c'était des gens qui venaient de Charleroi. Alors c'est intéressant à signaler, puisque Charleroi, après la Deuxième Guerre mondiale, et bien avant, c'était une ville industrielle, c'était un des poumons économiques de la Belgique. Et les familles de mes parents y étaient arrivées avec chacune leur histoire. Du côté de mes parents maternels, c'était des gens qui avaient connu des déboires financiers et puis qui donc allaient se refaire une santé économique à la ville de Charleroi. Du côté de mon père, ben là on avait plutôt affaire à une famille de la petite bourgeoisie catholique, plutôt conservatrice, et des gens qui néanmoins étaient liés aux fondateurs du Rotary Club à Charleroi, donc ils avaient quand même une certaine assise. Mais des deux côtés, un rapport assez fort à l'histoire de leur famille. Et la Deuxième Guerre mondiale les a marqués les uns et les autres, et notamment mon père et ma mère. Mon père s'est révélé apprécier le morse et un brillant opérateur radio pour la résistance. Mais il n'avait absolument aucune... au départ, il était d'ailleurs très jeune, il n'avait pas du tout envie d'entrer dans la résistance. Il avait même été fasciné, m'a-t-il dit, par l'arrivée de l'armée allemande très disciplinée, alors que les troupes françaises étaient en débandade en 40. Mais néanmoins, il est rentré dans la résistance en étant d'abord manipulé par un de ses professeurs, et puis comme opérateur radio, je l'ai dit, il a été lié au SAS, et en fait, ultérieurement, il a terminé dans la section belge de la Royal Navy comme officier. Donc, c'est une première manière de voir, et souvent, il nous en a reparlé, pas dans les détails, c'est plutôt à mes enfants qu'il en a reparlé. Ma mère, par contre, appartenait à une famille qui avait en quelque sorte plongé dans le communisme. C'était des gens d'origine aristocratique, mais qui avaient vu leur déboire. Ils avaient du punch et ils l'exprimaient à travers la lutte syndicale. Ça les a quand même amenés, au cours de la Deuxième Guerre, à cacher des familles juives et ultérieurement, malgré le fait qu'ils ne voulaient pas du tout en tirer un quelconque parti, ils ont été juste parmi les nations, à la demande même des familles. Et ça, c'est très important parce que pratiquement quand j'ai été promené en berceau après ma naissance à Bruxelles, eh bien, j'avais un berceau voisin qui était dans lequel se trouvait une jeune future amie juive. Les parents s'étaient très bien entendus et je dirais que on a eu vraiment une sorte de famille recomposée jusqu'à aujourd'hui pratiquement. On est toujours en lien avec ces familles juives qui avaient été protégées. Et donc, déjà, c'est assez. Je dis ça parce que c'était des gens qui avaient du tempérament. Très rapidement, mon père a commencé une carrière internationale.
Et il a d'abord été fonctionnaire envoyé par la Belgique pour suivre des conférences internationales. Et puis, il a fait une part importante de sa carrière dans les organisations internationales, notamment l'Organisation de l'aviation civile internationale. Alors, ça m'a permis à suivre mes parents. Et donc, j'ai d'abord été en Suisse. C'était à Genève. Nous habitions au plateau de Pinchat. Genève, c'est une ville internationale. Le plateau de Pinchat, c'est une zone de la banlieue genevoise qui est plutôt huppée. Mais c'est là où j'ai vraiment pris conscience de ce qu'était un étranger et du rejet à l'égard des étrangers. Moi, j'étais l'étranger. Et vis-à-vis des petits-enfants, vis-à-vis du corps professoral à l'école, tout à fait franchement, personne ne s'intéressait à quelqu'un qui venait de l'extérieur, qui n'avait pas de racines locales et qui ne connaissait rien à l'histoire locale. Et donc, j'avoue que cette première expérience en Suisse a été pour moi très formatrice, puisque je me suis rendu compte, oui, l'altérité existe, je ne suis pas bien vu. Ensuite, on est parti, on est revenu brièvement en Belgique, puis reparti pour une longue période de 4 années environ en Tunisie. Là, mon père travaillait pour l'Organisation de l'aviation civile internationale et il enseignait à des étudiants maghrébins la télécommunication. D'autres enseignants préparaient avec lui le personnel futur des aéroports du nord de l'Afrique. Ça, c'est franchement une arrivée dans un pays qui a été pour moi fondatrice. Parce que vous vous rendez compte, il y a des changements incroyables qu'un enfant ressent dès qu'il arrive sur le tarmac de l'aéroport, la chaleur, la luminosité. Aujourd'hui, tout le monde dira, mais oui, c'est normal, on fait ça en étant touriste. Mais à l'époque, c'était en 1960, c'était quelque chose de tout à fait neuf et une expérience qui ne pouvait pas être partagée par grand monde, sauf par moi, avec les enfants de famille qui étaient dans la même situation, ou bien qui allaient en Afrique et qui revenaient après en Europe. On pouvait se partager des expériences de ce type. D'autres éléments, ce sont des images. La première image que j'ai de la Tunisie qui me vient à la tête, c'est l'arrivée à l'hôtel. C'était la Maison Dorée. La patronne de l'hôtel était une dame d'âge respectable, elle était française. Et elle toisait littéralement deux domestiques qui étaient des Africains du sud de la Tunisie, des petits noirs. Et c'était la première fois que j'étais placé devant cette situation. Et pour moi, je me dis, mais ça y est, on est dans un monde arabe et ce sont des esclaves. Et voilà. Bon, j'étais tout petit, mais je ressentais ça. Plus tard, on est invité chez des collègues de papa. On y mange un couscous, il y a une grande table. Déjà, on nous dit que l'habitude, c'est de manger avec des épices très, 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 très fortes. Donc, pour nous, Européens, et pour nous, enfants d'Européens, ça ira un peu moins, mais c'était quand même le feu à la bouche. Et donc, ça, voilà, je me rappelle. Mais autant de petits chocs. Autre élément, j'avais un petit écureuil en peluche. Et je l'avais attaché à des cordes, on était au deuxième étage de l'hôtel. Et puis, les rues de l'hôtel à Tunis étaient grouillantes de gens. Et il faut vous imaginer des gens avec des djellabas ou bien des costumes occidentaux, mais des gens avec leur chéchia, leur petite coiffe rouge. Et puis, moi, j'essayais de toucher les coiffes des gens et hop, et remonter. Donc, il y avait un danger, il y avait un frisson. C'est autant d'éléments qui m'ont coupé très fort avec mes références belges, je dirais, à cette époque-là. J'entrais dans un autre monde qui allait être le mien. Et assez vite, on a quitté Tunis pour habiter à Carthage, dans la banlieue de Tunis, mais c'était aller habiter dans l'histoire, avec un grand H. Carthage, c'était une zone résidentielle, mais c'était une ville multiséculaire aussi, avec une longue histoire sur laquelle je reviendrai plus tard, mais
C'était véritablement quelque chose de fascinant. Alors, on habitait dans une villa, mais pas loin de gourbis, des maisons plutôt pauvres arabes, pas loin de champs dans lesquels il y avait encore des ruines qui remontaient à l'époque romaine. Et donc, c'était un paysage tout à fait curieux. Et alors, ce qui était intéressant, peut-être, c'est que l'expérience suisse m'avait amené à me protéger vis-à-vis du monde extérieur et à cultiver une sorte de distinction systématique par rapport aux gens extérieurs. Alors, je m'explique ici, dans les discours entre les expatriés et entre les experts internationaux, quand ils se retrouvaient, ils parlaient, s'il fallait faire référence à l'histoire, ils parlaient de la culture romaine, enfin, bref, ils évoquaient une culture occidentale. Et moi, je ne sais trop pourquoi, j'étais fasciné par ceux qui ont créé Carthage, c'est-à-dire par les Phéniciens, par ceux que les Romains allaient appeler les Puniques. Et donc, systématiquement, je prenais le contre-pied. Et je me rappelle que, une anecdote, on était chez des amis de mes parents et ils avaient un fils qui était un petit peu plus âgé que moi. Et on jouait avec des figurines de soldats napoléoniens. Dès qu'on parlait de Carthage et de l'Antiquité, ce gars, très prétentieux, je disais, était plutôt pro-romain, et moi j'étais pro-phénicien, et on était donc engagés dans des joutes passionnées. Alors lui, il est devenu ultérieurement un expert tout à fait reconnu dans le monde scientifique de l'histoire romaine, de l'histoire notamment de la République romaine. Et moi, ultérieurement, je reprendrai le pied à Carthage pour travailler sur les aspects plus ethnologiques. Mais cette expérience carthaginoise, je dirais, est assez importante parce que dans mon intérêt intellectuel, j'ai très vite eu un goût pour l'histoire, un goût affirmé. À 10 ans, je lisais La vie quotidienne à Carthage et puis ultérieurement Le Monde de Carthage, qui était écrit par Gilbert Charles Picard, un historien français spécialiste de la région. Et puis j'étais fasciné par Hannibal et son épopée. Donc, ça, c'était les premiers éléments. Et ça va durer 3 ans, 3 ans et demi. Et puis après, le rêve va se rompre. Papa va être engagé toujours par l'OACI à Dakar, au bureau régional pour l'Afrique, où il va occuper une place importante là-bas. Eh bien, nous, on suit. Et pour moi, c'était une coupure, c'était une rupture. Ça n'a pas été facile. Alors que pour mon deuxième frère, lui, il commença à s'intéresser à toutes ces questions, à l'ouverture. Moi, ce dont je me rappelle, c'est le lycée Van Vollenhoven. Alors, pour un Belge qui venait au Sénégal et qui était loin de la Belgitude, Van Vollenhoven, ça rappelait quand même une expérience nordique, on va dire. Et bon. Mais c'est à peu près tout. J'avais beaucoup de difficultés à m'insérer dans ce milieu. Par exemple, j'étais en latine, mais je copiais mes devoirs de latin sur des élèves africains au grand dam de mon père. Et donc, j'étais pas dans mon affaire. Il a fallu un an pour m'adapter. Et malheureusement, alors que mes parents allaient rester en Afrique, nous, on a été renvoyés en Europe. On a été renvoyés en Europe parce que la politique africaine, nous a rattrapés. Et lors d'une élection législative, le résultat des urnes s'est marqué dans les rues de Dakar par une répression, d'une révolte dans le sang. On n'en a pratiquement rien dit en Europe. On écoutait les journaux, mais le voisin avait reçu une balle dans un bras. Nous,
On était cachés dans la salle de bain. Bon, bref, ça avait traumatisé suffisamment mes parents. On avait un enfant, j'avais un frère qui venait de naître. Mes parents ont dit, bah, les enfants sont rapatriés en Europe. Rapatriés en Europe, mais sans les parents, ça voulait dire aller chez les grands-parents, mais aussi pour un suivi scolaire, aller en internat. Et là, ça a été 7 années de pénitence. Je me suis retrouvé dans un collège plutôt de bonne réputation, voire d'excellente réputation. C'était l'Institut Saint-Berthouin à Malonne. Mais cet Institut Saint-Berthouin à Malonne ne cherchait pas à promouvoir les histoires d'enfants et les expériences d'enfants. C'était un institut très tourné sur les mathématiques, en prévision de la préparation à l'école militaire ou aux écoles d'ingénieurs. Et sur le plan de la pédagogie en français notamment, ben, on ne cherchait pas à marquer l'érudition. On ne parlait pas de Proust ni tout ça, mais il fallait faire des introspections, il fallait parler de soi, constamment de soi. Mais qu'on parlait de soi avec une expérience nord-africaine, par exemple, ou sénégalaise, ça n'allait pas de soi. Moi, je ne savais pas comment les wagonnets dans les mines de charbon étaient nommés. Il y avait des tas de choses comme ça. Bref, j'ai pas eu une adolescence facile sur ce plan-là. Puis mon père est revenu, mes parents sont revenus d'Afrique. Papa a repris une carrière en Belgique, petit à petit chargé encore de recherche sur les télécommunications spatiales. Mais en ce qui dans mes rapports avec lui, il avait une ambition, c'était que je sois moi-même lié à ce travail sur les télécommunications, que je devienne pourquoi pas ingénieur. Et moi, je voulais pas trop. Mais en même temps, la compétition entre les jeunes à l'Institut Saint-Berthouin, c'était être le meilleur en mathématiques, etc. Et donc, je me suis laissé porter à préparer l'examen d'entrée à une école d'ingénieur. Et puis, en dernière minute, j'ai dit non. Mais pour éviter de trop froisser mon père, je me dis, ben, papa, je vais faire de l'astrophysique. L'astrophysique. Alors, je m'étais un peu intéressé à l'astrophysique, mais sans plus. Et donc, je me suis retrouvé à l'Université de Liège en sciences physiques, mais sans beaucoup d'intérêt pour ce que j'allais y apprendre. Et j'ai plutôt dévié vers la vie étudiante et une vie relativement corsée. Je me suis bien amusé. À l'issue de cette année qui s'est révélée être un échec cuisant, j'ai réfléchi sur ce que je voulais faire et puis j'ai pris un antidote complet. Je me suis inscrit en droit. Là, en droit, ça a fonctionné bon, pendant 2 ans, mais pas plus. Et ça fonctionnait. Qu'est-ce qui fonctionnait bien ? Eh bien, ce qui fonctionnait bien, c'était le droit romain. Ben, évidemment, le droit romain, ça me rappelait le soleil tunisien et ce que j'avais vécu à Carthage. Et puis, c'était aussi le cours de sociologie. C'était donné par un professeur de l'Université de Bruxelles, qui est le professeur Gorielli. Et j'étais passionné par ce qu'il disait. C'était quelqu'un qui avait fait beaucoup d'emphase, raconté des anecdotes, etc. Enfin, bref, c'était intéressant. Alors, des cours comme ça, et le cours de comptabilité, ben, des cours comme ça, c'était des cours dans lesquels je fonctionnais bien, mais tout ce qui relevait de la logique juridique et de la vision du monde, de notre société à travers le droit, et ce qu'on peut en faire, ça m'apparaissait quelque chose de totalement étranger et d'inintéressant. Et petit à petit, ce que j'avais révélé, notamment à ma mère, à l'âge de 12 ans, j'avais dit à ce moment-là, on quittait la Tunisie, on arrivait au Sénégal, et j'avais dit, moi, plus tard, je serai historien et ethnologue. Et finalement, ce désir, eh bien, il m'a orienté dans un choix progressif d'études qui m'ont éloigné des études pour lesquelles papa me voyait très pertinent. Mais bon, ce n'était pas le cas. Alors, je suis venu avec d'autres étudiants de Liège. On disait à cette époque-là, on prend le car vers Louvain. Je suis venu à Louvain.
Et là, j'ai fait des études en sciences économiques et sociales et communication sociale. Et avec le désir de m'ouvrir de plus en plus à l'anthropologie. Or, l'anthropologie, à l'époque, elle n'était pas très promue à l'université de Louvain. Il y avait un anthropologue, le professeur Doutreloux, qui va jouer un rôle tout à fait important dans ma vie ultérieure, sur le plan professionnel. Et en même temps, je rencontrais d'autres professeurs. Professeur Vincent Hansen, qui était psychosociologue, Vincent Danens, professeur d'histoire médiévale, le professeur. Georges Tinès, qui était un éthologiste et de renom international. Et avec chacun de ces personnages, avec chacun de ces professeurs, j'ai eu des rapports privilégiés qui, véritablement, m'ont rendu confiance à moi-même. Donc, j'ai terminé assez brillamment la licence en communication. La licence en communication, c'est l'équivalent de la maîtrise actuelle, donc 4 années d'études. Hein. Mais ayant traîné au début de mes études universitaires, je me retrouvais après 25 ans, sans travail et sans possibilité de chômage. Ce n'était pas prévu pour les gens qui avaient 25 ans. Donc, j'attendais. Vaguement survécu de petits métiers, comme par exemple surveillant d'école primaire. Ce n'était pas tout à fait agréable. Et puis, 3 mois plus tard, après à peine sorti des études, 3 mois plus tard, l'Université de Louvain me téléphone et demande si je suis libre. J'ai un emploi de chercheur. Comme j'avais travaillé déjà un petit peu en anthropologie, le département de communication sociale connaissait mon intérêt pour l'anthropologie, et puis il venait de recueillir une recherche sur l'avenir de l'information en Wallonie. Alors, cet avenir de l'information en Wallonie, eh bien, elle porte, c'était une étude qui allait être menée de différentes manières, on avait une nécessité d'un éclairage de type anthropologique. Alors, de type anthropologique, ça signifiait à l'époque se mettre dans la foulée d'Edgar Morin, de Serge Moscovici, de Jacques Attali, etc. C'est-à-dire travailler notamment sur le rapport entre l'homme et l'outil. Alors, l'outil ici, c'était l'outil audiovisuel. Et j'étais amené à faire une synthèse de ces apports intellectuels pour éclairer ce qui allait pouvoir être l'avenir de l'information Wallonie. Mais il y avait en même temps des enjeux d'ordre plus politique. C'était l'émergence des radios libres, l'émergence des télévisions locales, les changements que cela allait opérer au niveau des radios nationales. Donc j'étais embarqué dans ce type de recherche-là. Mais en même temps, je m'étais lancé dans des études en linguistique pour faire en sorte que les mois qui allaient suivre ma défense de mémoire, eh bien, puisse être productif, et notamment dans l'idée d'aller faire une thèse en anthropologie. Et j'avais fait des études de linguistique qui étaient très souples à cette époque-là. Et donc, même stratégie au niveau d'organisation du programme, j'accumulais le plus grand nombre de cours d'anthropologie à l'université. Il n'y avait pas de programme précis d'anthropologie. Et avec l'idée un peu utopique que ça allait me permettre de monnayer mon entrée, par exemple, à Paris. Et à Paris, pourquoi Paris? Eh bien, parce que il y avait là-bas un centre de recherche qui allait m'intéresser. En fait, très vite, un des cours d'anthropologie qui était donné par Doutreloux, d'ailleurs, était un cours d'ethnolinguistique. Il était demandé de faire une synthèse d'un cours, d'un ouvrage de la collection Terre humaine. Or, il y avait des problèmes de stationnement de gens du voyage, de Tziganes, tout près de l'université de Louvain. Et ma future épouse et moi-même, qui étions sur les mêmes bancs de l'université, eh bien,
avait proposé au professeur d'aller travailler sur ces gens, donc de faire une sorte de terrain. Et stupéfait, heureusement stupéfait, le professeur allait nous pousser, d'Outreloup allait nous pousser à faire ce type d'études. Et ça, vous vous rendez compte, j'entamais une carrière universitaire comme jeune chercheur, mais dans un domaine qui allait très vite être dépassé par un autre domaine, celui de mon rapport avec les Tziganes et d'études ethnologiques sur les populations tziganes.